Oh, no.
Padre mi toma. Mamá, papá, le mi toma mi amor, me embala. Mamá, papá, papá, le mi toma. Thank you.
Oh, yeah.
Étant donné que la délégation allemande est importante, avec l'archevêque de Bamberg, Mgr Ludwig Schick, et beaucoup de chrétiens de Fulda, où le père Philippe, Mgr Philippe, a été formé, il nous est permis de donner juste une esquisse du rite d'ordination. Zu den deutschen Gläubigen. Der Nuntius ist der Hauptzelebrant, dieser Bischofsweihe. Es sind jetzt sieben Punkten. Wir beginnen mit der Vorstellung des Erwählten, anschließend die Bulle des Papstes Franziskus, sein Schreiben über den Nuntius zur Ernennung des Bischofs Philipp wird vorgelesen. Danach das Versprechen des Erwählten, Bischof Philipp. Er bekundet seine Bereitschaft zum Dienst, Nachfolger der Apostel zu sein. Angefangen mit dem Gehorsam gegenüber des Heiligen Vaters, Nachfolger von Petrus, und das Versprechen, das Presbyterium zusammenzuhalten, zusammenzufügen, und dann die Bereitschaft, den diakonischen Dienst zu üben und das sakramentale Leben im Bistum. Danach werden wir die Litanei befolgen. Nach der Litanei die Hand auflegen und das so wichtige Weihgebet, nach der Weihgebet, das Weihgebet, die Salbung des Hauptes und danach die Überreichung. Vier Elemente, und das ist auch Kern des Ritus, nach dem Weihgebet so wichtig, das Evangelium wird auf ihn gelegt, der Bischof Ring überreicht, die Mitra und dann sein Stab. Also gute und gesegnete Andacht den deutschen Glauben von der Delegation von Fulda und Bamberg anlässlich der Bischofweihe von Mgr. Philipp Maria. Mgr. l'archevêque Jean Barga va maintenant prendre la parole pour son mot de bienvenue. Louis soit Jésus-Christ. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, Monseigneur de l'Once apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monsieur les membres du gouvernement, Monseigneur des archevêques et évêques, Monsieur le gouverneur de la région du Sud, Monsieur les préfets de la Villa Vidja et l'Orbois de l'Océan et de la Vallée du Ntème, Messieurs les délégués du gouvernement des communautés urbaines de Boloba et de Créilly, Messieurs les sénateurs, les députés, les maires, les chefs traditionnels, chefs de l'île du Sud, chers confrères prêtres, révérends sœurs, révérends pasteurs, chers imams, chers laïcs engagés des associations et des services ecclésiaux, chers catéchistes, chers enseignants, chers fidèles du Christ, bonne fête. Je rends grâce pour ce jour de fête, je remercie le Seigneur pour l'ordination épiscopale de Mgr Philippe Alain Maga, nouvel évêque du diocèse de Boloba. C'est le Seigneur qui choisit et consacre, qui envoie et accompagne, qui inspire l'homme vie, aime et rassemble son peuple dans l'unité. Par sa volonté, le diocèse de Boloba est ce qu'il est aujourd'hui, et qui aussi en Boulmokan, en passant par Boloba, de Minka, la Bimangue, en passant par Mongon, le diocèse de Boloba est devenu cette portion du peuple de Dieu qui
qui fait de sa foi en Dieu un véritable socle pour sa vie. Depuis 2004, nous avons cheminé. En 2008, le diocèse de Crépy a été créé. Et depuis ce temps, sans compter le diocèse de Crépy, 13 nouvelles paroisses ont été créées, soit 33 paroisses en tout. 17 prêtres ordonnés en tout, soit 55 prêtres au total, 70 grands séminaristes, un millier de catéchistes, plusieurs établissements scolaires, dont un établissement d'enseignement supérieur, plusieurs prêtres spécialisés en disciplines profanes et sacrées, dont une vingtaine de doctorats et de doctorants. Ensemble, nous avons su regarder vers le Christ pour avoir la vie en abondance. C'est lui qui nous rassemble, nous inspire et nous guide. Christ est notre force, Christ est notre paix. Ensemble, nous avons supplié le Seigneur pour obtenir sa miséricorde, sa libération et son salut. Voici, nous posons les vies ecclésiales et les missions épiscopales en offrande à Dieu. Offrons-lui tous ceux qui nous ont quittés, qu'ils reposent en paix. Offrons au Seigneur ce que nous avons été, ce que nous avons fait et ce que nous ferons encore pour la croissance de sa vigne. Par cette fête ici, même aujourd'hui, plus qu'hier, voici le temps de passage, du temps d'hier au temps d'aujourd'hui, des hommes d'hier aux hommes d'aujourd'hui, mais toujours en continuité avec les mêmes espaces, le même site, le diocèse de Bologna, vit son temps et pascal, si vous le voulez, des temps de passage. Ma mission épiscopale a contribué avec vous à consolider la réconciliation et la communion avec Dieu, l'Église et entre nous. Par cette cérémonie, prions le Seigneur de bénir cette communion pour qu'il en fasse un socle de fécondité spirituelle, humaine et sociale. Cette célébration nous pose donc à tous cette question. Nous faut-il retenir pour aujourd'hui et pour demain? À retenir, l'amour ne passera jamais. Puisque l'amour dépasse la foi, l'espérance, la parenté, la distance, l'oubli, le doute, la séparation et le conflit, alors ce qui est et restera, c'est cela, l'amour qui ne passe pas. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, où nous soyons et quoi que nous fassions, oui, retenons, l'amour ne passera jamais. Ce sera notre prière en continu. À retenir, l'Église est une famille. Notre Église n'est pas une administration où l'on se côtoie. C'est une famille dont Dieu est le Père et l'évêque, le visage humain de ce Père. À retenir, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Donner la vie, c'est quoi? C'est s'ouvrir aux sollicitudes de la vie. C'est accueillir les appels que nous lance la vie, son inspiration et sa générosité. À la suite du Christ, c'est donner l'évangile de la vie. Avec vous, nous avons appris pendant ces 12 années à donner la vie à l'homme. À retenir ce qui nous unit. Privilégions ce qui nous unit. Rien ne doit nous diviser. Vivons nos unités écuméniques, l'inter-ecclésialité, l'inter-christianité et l'inter-religion. À retenir, d'une décennie à l'autre, les corps vieillissent, mais les cœurs ne vieillissent pas. Quand bien même souvient le passage d'un diocèse à un autre, le corps s'en va, mais le cœur reste. Oui, quand la mission vous appelle vers l'ailleurs, le cordon ombilical épiscopal demeure en sa terre natale. Voici ce qu'il faut retenir. On est évêque d'un diocèse, parfois pour un temps, mais on est évêque de l'Église universelle, et même après cette vie. À retenir, 12 ans après, dans ce diocèse, le temps des fondations et des fondateurs devient l'aurore de la maturation de ce qui est fondé. C'est maintenant le temps du fonctionnement pour que l'évangélisation passe à la vitesse de la profondeur, pour que les œuvres liturgiques, catéchétiques et sociales réalisées donnent le plein d'humanisme et de spiritualité, et que les services humanitaires assurent le rayonnement de la foi en Dieu. Certains sèment, d'autres récoltent, et le royaume de Dieu avance. Pour ce diocèse que nous transmettons aujourd'hui, nous pouvons dire que, après l'investissement sur tous les fronts, voici venu le temps
du retour sur investissement. Le diocèse que nous transmettons ce jour est en phase de retour sur investissement. Alors que le diocèse ainsi implémenté s'ouvre à sa prospérité. À retenir, en fait, la vérité est celle-ci. La géographie physique fait des populations du Sud la base du triangle national. Si la base est solide, le triangle l'est aussi. Et si la base se fragilise, le triangle national est aussi menacé. Au cœur de la région du Sud, ce diocèse en fraternité avec ceux de Saint-Lémy et de Kribi, dont on participe mieux qu'hier à la dynamique unitaire pour une unité forte vivante dans une communion ecclésiale avec tous les diocèses de la CEPI. Ce que je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois une région du Sud traversée de part en part par des routes et des voies où se fut une humanité active, industriellement en plein essor, pour le mieux-être et le mieux-vivre. Je vois une région du Sud, cité des nations, où l'hospitalité enrichit la diversité des peuples, où les génies et les intelligences importées viennent booster, c'est le cas de le dire, l'émergence en action. Je vois encore ici des foules de croyants, ceux qui aiment Dieu, aiment leur frère, rayant d'amour, ces familles réconciliées qui n'ont que faire de leur vieille querelle, ces chrétiens fraternisés qui n'ont que faire de leur division, ces agents apostoliques qui n'ont que faire de leurs égaux. Ici et là, le péché à combattre sera la haine et la vertu à persévérer l'amour. Je salue et remercie le chef de l'État et son épouse pour toute leur sollicitude qui s'est faite pendant 12 ans omniprésente, affective et effective. Merci à vous, Monseigneur le nonce apostolique, et à vos chers confrères dans l'épiscopat. Notre cheminement ensemble m'a donné la passion de servir l'Église, de vivre et d'aimer la collégialité. Merci de continuer à me soutenir. À vous, évêques des diocèses du Gabon et de la Guinée équatoriale, merci d'être venus si nombreux. Merci surtout de notre communion transnationale. Chers membres du gouvernement, c'est à chacun personnellement que je m'adresse pour reconnaître votre fraternité à mon endroit, votre soutien à mes efforts et votre confiance en moi. Chers élites intérieures et extérieures du Sud, je n'ose pas vous séparer des populations du Sud, ni vous séparer du gouverneur de la région du Sud, ni des préfets de nos départements, des délégués du gouvernement, ni des autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires, traditionnelles et religieuses. Je vous dis simplement merci. À M. Jacques Famenongo, ministre, merci pour le grand rassemblement et la mobilisation de la Fraternité du Sud en faveur de tous les événements et en particulier pour cette ordination épiscopale. Merci à toutes les populations de nos diocèses de différents de notre pays, ici représentés par ce cosmopolitisme que nous connaissons. Nous sommes tous des croyants du Cameroun. Prions ensemble aujourd'hui particulièrement pour notre pays et pour ce diocèse. Merci à vous, chère délégation de l'Église qui est en Allemagne, pour cette marque d'amitié et de solidarité séculaire. Merci à nos excellences, messieurs les ambassadeurs, membres des corps diplomatiques et représentants des organisations internationales. Merci particulièrement à toute cette grande délégation d'Allemagne pour cette interclésialité séculaire. À vous, chers confrères dans le sacerdoce, à Monseigneur Jean-Jacques Incarné, modérateur général, nous retenons l'Église, c'est une famille en construction, mais déjà en réalité. Que cette dynamique se perpétue. Je vous remercie particulièrement pour tout le zèle apostolique que vous avez manifesté pendant ces 3 années de vacances de siège, si difficiles, mais qui ont fait mûrir encore le fruit, et j'en rends grâce à Dieu. Je remercie tous les fidèles protestants et leurs pasteurs ici présents et ceux qui sont restés dans nos différentes contrées pour tout l'œcuménisme que nous avons vécu ensemble. Je remercie les imams de la communauté islamique pour toute l'amitié humaine et spirituelle toujours manifestée.
à vous, chers fidèles du Christ du diocèse de Corova. Hier, nous étions peu nombreux et peu mobilisés. Aujourd'hui, tout a changé. Alors, merci pour l'engagement ecclésial que vous avez continué à exprimer. À vous, chers vénérés confrères dans l'épiscopat, vous, mon successeur et troisième évêque du diocèse de Corova, j'ai nommé Mgr Philippe Alamaga. Notre petite famille épiscopale de la CEPI vous félicite et vous promet collégialité, communion et fraternité. Le diocèse de Corova vous accueille avec joie et dévotion. Il s'ouvre à vous pour un ministère et une mission de foi, d'espérance et de charité partagée. Une mission d'amitié et de rencontres fructueuses. Une mission de construction, d'animation et de projets réalisés. Une mission d'annonce, de confession, d'adoration, de célébration en foi, de foi en Jésus-Christ. Une mission de vie écuménique et de dialogue entre les religions. Oui, une mission d'interculturalité entre le Fang, le Boulou, le Hondo, le Batanga, le Ntoumo, les Tong, le Fufulde, le Tuploui, le Ntoumo, le Bassa, le Bamileke, le Bamoun, bref, entre toutes les cultures du Cameroun ici présentes dans notre diocèse. Une mission enfin de marche ensemble, de vivre ensemble, de communion d'amour, oui, de tout cela, que vive l'amour et qui ne passera jamais. Merci de votre aimable attention. La Sainte Église vous présente M. l'abbé Philippe Alain Mbarga, prêtre, et demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Monseigneur, vous devez avoir reçu du Saint-Siège la boule qui le désigne pour cette charge. Qu'on me l'amène afin que je puisse la montrer aux évêques, aux prêtres et au peuple de Dieu. Évêque de Rome, serviteur des serviteurs de Dieu, à mon fils bien-aimé, Philippe Alain Mbarga, du clergé diocésain de Malmayo, jusqu'alors recteur du grand séminaire interdiocésain de Yaoundé, élu évêque du diocèse de Bolova, salut et bénédiction apostolique. Puisque les devoirs de notre charge pastorale exigent que nous nous préoccupions du gouvernement et du progrès spirituel des églises locales, notre esprit s'est tourné vers les besoins des fidèles du diocèse de Bolova qui, après le transfert de notre vénérable frère, Monseigneur Jean Mbarga, au siège métropolitain de Yaoundé, attendre un nouveau pasteur capable de diriger l'activité et l'œuvre d'évangélisation. Mû par ce souci de l'écriture et de la théologie, et plein de zèle dans le suivi de la préparation des candidats au ministère sacré, avec la grâce de l'épiscopat, tu pourras fermement t'engager dans cette tâche pour le bien de l'Église.
C'est pour cela que, après avoir sollicité l'avis de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, avec notre pleine autorité apostolique, nous demandons volontiers, évêque du diocèse de Bolova, avec tous les droits et les devoirs inhérents à ta nouvelle condition dans l'Église. Par conséquent, tu pourras recevoir l'ordination épiscopale où tu voudras et des mains d'un évêque catholique que tu auras choisi librement. Après avoir émis la profession de foi et le serment de fidélité à nous et à nos successeurs, selon les normes de l'Église. Nous voulons que tu sois informé de notre décision, comme aussi les fidèles de ton diocèse, que nous exhortons à t'accueillir en tant qu'un père à aimer, en tant qu'un enseignant à écouter et en tant qu'un pasteur à suivre. Nous prions donc le Seigneur qu'il t'accorde, Fils bien-aimé, la confiance dans sa miséricorde, le zèle pastoral pour les âmes et la charité surtout envers les pauvres. Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 22 octobre de l'année du Seigneur 2016, jubilé de la miséricorde et quatrième année de notre pontificat. François Pape. Venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure de parvenir tous jusqu'à toi, purifiez-nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ajoute un matin à deux sorbots. En un petit temps,
Ambo Amazona za ade katona ono sol yoti ye kumayele ejima ngabo watine na onji ya leji anama fam ingazona eli wonga kuma eni ade mwe kumele anama kuma teji Alenzi zambo anajo mingana zaja mwato koti ane minga angajo na nyon jate juma ane matuji anenzi zambo angajo nyona amuko ya jameti aliye biso aliki se ya fe wo onliyon Woyo wulu fabu. Woye ti wulu ente nye yuese. Ma yoko bozi, eza mye linga. Eza mwongonjo, a mwongonje. Aye ti no wando, woye lo nye ti mkili. Ande la fam, ega yo linga wena, evo, bevo, Amu ane nya ya babo sebo mvö. Efi anti. Kikama yonge. Makeme zanu. Kwa mwenye. Iyan de ti fe fe dia kamu abo bien ki mamu Iyan de ma Amor, 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 amor
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur,
que tout se fasse pour moi selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. Verbum Domini. Ministre et représentant personnel du chef de l'État. Chers frères et sœurs dans l'Épiscopat et dans le ministère sacerdotal, bien cher Monseigneur Philippe, chers frères et sœurs, tous et toutes dans le Seigneur. Il y a 22 ans, et exactement le 10 décembre 1994, dans la belle cathédrale de Balmayo, et devant le vénérable Monseigneur Adalbert Nzana, aujourd'hui ici à ma droite, plein de joie et de gratitude au Seigneur. Lorsque fut prononcé son nom avant l'ordination sacerdotale, l'abbé Philippe Alain Barque a répondu: me voici, me voici, je suis prêt. Cette réponse que l'alors jeune diacre Philippe Alain prononça avec une voix certainement émue, mais bien claire, comme il est son habitude, n'était pas seulement une réponse à un appel qui confirmait sa présence dans l'Église. Il s'agissait par contre de la manifestation du choix fondamental de sa vie, celui de se mettre entièrement au service de Dieu et au service de son corps mystique qui est la Sainte Église. Et avec cette réponse, l'abbé Philippe avança d'un pas résolu vers l'évêque qui l'invitait à se joindre définitivement à une très longue lignée de ceux qui, tout au long de l'histoire du salut, se sont mis avec joie au service du Seigneur et de son peuple bien-aimé. Ces paroles, me voici, et ce geste, celui d'avancer vers le Seigneur, furent en fait prononcés et accomplis en premier par Abraham, notre père dans la foi, quand le Seigneur l'appela du haut du mont Moria. Nous en avons le récit dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset numéro 1. La même attitude, me voici, fut aussi l'attitude de Samuel, appelé par le Seigneur pendant la nuit. Par trois fois, ce jeune homme dit au prêtre Élie, père, me voici, mais instruit par ce dernier, il se tourna vers Dieu qui l'appelait, lui répondant, parle Yahweh, parle Seigneur, car voici que ton serviteur t'écoute. Nous lisons tout cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Mais ces paroles, me voici, sont aussi les paroles du prophète Isaïe, qui, terrifié par la puissance de Dieu, qu'au milieu de sa gloire, demandait « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» lui a répondu d'emblée « Me voici, envoie-moi. » Mes chers frères et sœurs, ces paroles prononcées par la foi des pères et des prophètes ont pris une forme et un contenu tout nouveau
est définitif, est complet, est exemplaire dans le cœur et dans les lèvres de la Vierge Marie, que nous contemplons aujourd'hui dans son Immaculée Conception, la vénérant aussi et la célébrant aussi comme patronne de l'Église qui est au Cameroun. Voilà les mots de la Vierge Marie, nouveau, définitif, complet, exemplaire. Me voici. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et nous venons d'entendre ces mots dans le récit du Saint-Évangile selon Saint-Luc. Par cette expression de tout son être, Marie non seulement a accepté que le Fils de Dieu se fasse homme dans ses entrailles pour nous sauver, mais dans un certain sens, a également donné origine à cette multitude d'élus qui, avec leurs paroles et leurs exemples, aujourd'hui même, permet au Christ d'être vivant et à l'œuvre dans le monde. Voilà pourquoi, bien cher Monseigneur Philippe, l'ordination que j'ai la joie de te conférer avec les confrères évêques, consécrateurs et tous les évêques, on peut dire aussi ici présents, en la solennité de l'Immaculée Conception, donnera à ton, me voici, toute la grâce du sacrement de l'ordre dans le degré de l'épiscopat. Et cela t'associera d'une manière unique et merveilleuse au Christ et à ses apôtres et à la multitude de leurs successeurs. Et cette grâce te permettra aussi de faire naître et construire, agrandir et renforcer toujours plus, ici aussi, au milieu de ton peuple bien-aimé du diocèse de Bologna, l'Église unique, l'Église sainte, l'Église catholique, l'Église apostolique, bref, l'Église du Seigneur. Et voilà pourquoi, chers fils et chères filles du diocèse de Bologna, déjà à partir de ce moment solennel et féconde de l'ordination de votre nouvel évêque, cette belle église locale née il y a 25 ans et gouvernée plus récemment pendant 12 ans avec un cœur sage et paternel par notre archevêque métropolitain Monseigneur Jean Varga, reçoit maintenant une nouvelle naissance, une grâce supplémentaire, une force et une vitalité renouvelée. Cher Monseigneur l'archevêque de Yaoundé, permettez aussi qu'au nom du Saint-Père et du Saint-Siège, je vous remercie de tout cœur pour ton généreux ministère exercé ici avec abnégation et en votre faveur, cher peuple de Dieu. En effet, avec l'ordination de ce jour, et vous le verrez, à travers le ministère de la présidence eucharistique que le nouvel évêque à peine consacré va déjà exercer d'ici quelques minutes, le Christ, le Seigneur, comme Monseigneur l'archevêque vient de le dire dans ses mots au commencement de l'Eucharistie, le Christ lui-même pourra être plus facilement visible, joignable, on dirait presque touchable de nous tous, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles, les hommes et les femmes de bonne volonté qui vivent dans le département de la Mbila et de la vallée du Ntemba, en plein cœur de la région du sud de notre beau Cameroun. Vous savez,
l'Église, en effet, naît et se renouvelle toujours. Lorsque Jésus est reconnu, confessé et bien sûr obéi. Eh bien, avec son « Me voici » d'aujourd'hui, Monseigneur Philippe, voilà, nous parle déjà et nous dit qu'il a accueilli humblement le Christ, le bon pasteur, dans son cœur, dans son esprit, dans toute sa volonté. Et nous, tout en accueillant le nouvel évêque, en l'écoutant comme un père, ce sont les mêmes paroles du pape François dans la bulla de nomination de Monseigneur. En l'écoutant comme un père, en apprenant ses enseignements, en nous confiant à sa prière et en suivant l'exemple qu'il nous donnera avec sa propre vie, nous aussi, nous tous, personne exclue, nous pourrons nous aussi reconnaître avec certitude le Christ notre Seigneur. Nous pourrons le confesser dans la foi comme notre Dieu. Nous pourrons l'accueillir avec amour parmi nous et être toujours avec lui, avec le Christ à travers Monseigneur Philippe, maintenant, à jamais, dans la joie. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu offre aujourd'hui à cette belle église diocésaine de Bologna par le ministère de Monseigneur Philippe, votre nouvel évêque. En lui, le Christ lui-même s'est fait proche de chacun de nous. À travers l'évêque, le Seigneur lui-même nous prend avec lui, nous charge sur ses épaules, le bon pasteur, nous accompagne, nous défend, nous encourage et nous amène tous et toutes dans la pleine communion avec Dieu le Père. Oh, c'est un cheminement qui représente le vrai accomplissement de notre pauvre humanité. Être toujours avec le Seigneur. Un cheminement que nous pouvons entreprendre uniquement si le Christ lui-même nous en offre la possibilité et il vient de nous l'offrir à travers le ministère de votre nouvel évêque. Cher et bien-aimé Monseigneur Philippe, si haut, grand, merveilleux que soit le ministère de ton épiscopat, que nous tous te souhaitons long et serein, fructueux et courageux, selon le cœur du Christ et surtout exemplaire. Grand aussi sont les devoirs que tu devras dorénavant t'acquitter pour faire bénéficier au peuple à toi confié la grâce du Seigneur, et cela, mon Seigneur, jusqu'à ton dernier souffle. D'abord, Excellence, tu devras infailliblement aimer Jésus-Christ, lui qui aujourd'hui t'envoie ici en mission, et en lui, tu aimeras aussi chacun et chacune de tes frères et sœurs, de tes fils et filles du diocèse de Bologne. Tu pourras le faire, car à cet égard, nous tous connaissons les belles qualités intellectuelles, humaines, sacerdotales, de gouvernement et d'administration que Dieu a voulu faire naître dans ton cœur. Mais, le choix est en ceci, que soit le choix que tu
librement a accompli, afin que ce soit le nonce apostolique, représentant du successeur de Pierre, qui t'ordonne évêque. Tout cela se fait pour fraternellement t'aider, mais rappelle-toi bien que le véritable et profond sens du ministère épiscopal, Jésus nous l'a montré, et clairement, lorsqu'il a confié à Pierre la tâche d'être pasteur de son Église. Cette tâche, c'est-à-dire le ministère pastoral qui est donné aussi à nous, les évêques, en communion avec le successeur de Pierre, est lié fondamentalement, pas aux qualités intellectuelles, humaines, sacerdotales, mais à une seule question que le Seigneur lui-même t'a adressé, Monseigneur Philippe, et nous a adressé à nous tous, chers frères, dans l'épiscopat. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Voilà la question d'où se dépend le sens fondamental du ministère de pasteur et de berger de l'épiscopat. Philippe, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Mais mon Seigneur, souviens-toi donc que le service qui t'est confié aujourd'hui est un service régalien que Dieu exercera au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Je te le dis une fois encore, ton service, mon Seigneur, est un service régalien. Pourquoi? Parce que tu l'exerceras au nom du Christ, notre roi, et pour lui, notre Dieu, notre Sauveur, notre roi. Et par conséquent, ce ministère devra être le plus important de ta vie. Et pour lui, tu devras mettre à disposition toute ta vie. Qui chercherait seulement une occupation intéressante, les honneurs, le pouvoir, ou, à Dieu le plaise, le matériel, ne pourra jamais l'accomplir convenablement. Face à cette question, Philippe, m'aimes-tu? Question si exigeante. Monseigneur, n'aie pas peur. Car nous tous, tes confrères, nous expérimentons au quotidien les limites et les insuffisances de notre amour pour le Seigneur. Mais et nous sommes aussi sûrs de la miséricorde et de la magnanimité du Christ, qui accepte aussi nos faiblesses, les comprend et fait de nous ses amis, en nous aidant ainsi à conduire à lui tous nos frères et sœurs, bref, tout le monde. Cher Monseigneur, en deuxième lieu, tu devras paître les brebis qui te sont confiées. Tu, c'est-à-dire, devras les soutenir, leur garantir tout ce dont ils ont besoin, les conduire au bon pâturage, les désaltérer, bref, leur donner la vie. Mais, mon Seigneur, tu devras aussi les protéger de tout mal, les conduire, les précéder, les gouverner, prendre aussi des décisions pour leur bien, et aussi, si nécessaire, tu devras, avec amour, les corriger. Tu vois, mon Seigneur, ici aussi, le fait que tu reçoives le ministère épiscopal demande de celui qui, très indignement, bien sûr, représente ici le Saint-Père, pourra te rappeler tout au long de ta vie ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, même après son reniement. Moi, dit le Seigneur,
J'ai prié pour toi, Simon-Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, et toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui-même te dit, mon Seigneur, Philippe, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille jamais, et toi, tu affermiras tes frères. Ainsi, grâce à ton ministère épiscopal accompli avec zèle, rien ne saurait manquer au peuple de Volova, au peuple de ce beau diocèse qui t'a été confié. Ton peuple, en effet, ne devra jamais manquer de deux choses. Ça revient à toi de leur donner. Ton peuple ne devra jamais manquer de ta prière et de ton service à la parole de Dieu. À travers l'Eucharistie et la vie liturgique, dirigée en chaque communauté par tes prêtres, les prêtres qui sont ici présents, les prêtres du diocèse de Volova que j'apprécie beaucoup et que j'encourage et que je remercie pour le grand travail de ces derniers mois. Les conséquences, vous les voyez, une grande multitude rassemblée. Et les prêtres du diocèse, je les remercie aussi pour l'accueil fraternel et filial réservé à leur père évêque. À travers alors, Monseigneur, ton ministère joint avec le ministère des prêtres, tu devras porter constamment Dieu à ton peuple et également ce diocèse tout entier par ton ministère, ta prière unie à celui et à celle de tes prêtres, le diocèse tout entier devra être amené, élevé vers Dieu. Mais aussi, mon Seigneur, par ton service à la parole, c'est-à-dire par l'explication authentique et bien sûr patiente de l'Écriture et de la tradition de l'Église effectuée par toi-même et par tes prêtres en communion avec toi. Le message du Christ qui donne un sens et une orientation précis à la vie quotidienne de nous tous sera toujours proclamé, même lorsqu'il sera contraire à ce que le monde erronément propose, lorsque le monde nie les valeurs, lorsqu'il déstabilise la paix, oppose la haine, incite à la violence. Ton peuple ne manquera jamais, par contre, de la parole et de l'orientation de Dieu, car tu l'annonceras et annonceras sa volonté en communion avec tes prêtres à tous et à chacun de nous. Et enfin, mon Seigneur, tu devras accueillir au nom du Christ tous et chacun avec une grande bienveillance. Tu vois, mon Seigneur, même dans ce domaine, aujourd'hui, si important l'accueil, mon Seigneur l'archevêque vient de le souligner, l'accueil, l'entraide, la communion entre nous tous et nous toutes, toutes différences confondues, comme on dit, même dans ce domaine, aujourd'hui, si important, l'ordination, que tout reçoit aujourd'hui de celui qui est lié, il s'appelle légat pontifical, qui est lié à dans une manière particulière au successeur de Saint-Pierre, pourra te rappeler à toute dame cet ultime geste d'amour de l'apôtre Pierre, qui, comme son Seigneur, étend les bras sur la croix, comme pour exprimer le grand et significatif geste
de l'offrande, mais aussi de la collade. Oui, cher Monseigneur Philippe, que toute ta vie à partir d'aujourd'hui et de maintenant soit une constante répétition de ces gestes larges et pleins d'amour que Jésus et Saint-Pierre, à sa suite, ont accompli, pas facilement, mais sur la croix. Alors, mon Seigneur, non seulement tu représenteras, mais personnifieras le Christ lui-même qui nous prend tous en communion avec sa vie divine. Tu agiras, si faisant, in persona Christi, comme si tu es et tu l'es réellement la même personne du Christ qui s'offre à Dieu Père, qui nous embrasse et nous apporte tous et toutes vers Dieu le Père. Avec la finesse de ton caractère, mon Seigneur, la qualité de tes gestes inspirés par Dieu lui-même, sois donc toujours porteur parmi les tiens de communion et de réconciliation. Garde, Père Philippe, toujours la communion avec tes confrères dans l'Épiscopat qui si chaleureusement t'entourent aujourd'hui de leurs affections, que je voudrais aussi remercier de tout mon cœur. Et nous aussi voulons les remercier pour leur présence ici. Les confrères, les évêques, vos pasteurs, collabore, cher Monseigneur, pour le bien de ton peuple, avec les autorités qui sont au service de la nation, et que je veux remercier moi aussi pour la préparation de cette belle fête qui nous réjouit tous. Vis, mon Seigneur, en harmonie constructive avec ceux qui partagent notre foi dans le Christ, bien que dans la diversité des confessions religieuses. Et vis aussi ta communion et ta fraternité avec les représentants de l'islam qui vit aussi ici parmi nous, qui sont ici présents. Chers amis, tous et toutes, j'aimerais également vous remercier pour votre présence et je vous souhaite d'expérimenter bientôt la bonté fraternelle du nouvel Père évêque. Merci pour votre présence, chers frères qui croyez en Jésus et chers appartenant au monde islamique. Mon Seigneur, sois toujours reconnaissant au Seigneur pour tes co-diocésains de Balmayou qui t'accompagnent aujourd'hui si nombreux. Un grand merci au peuple de Balmayou, au peuple de Dieu de Balmayou, qui accompagne son fils dans sa nouvelle maison. Sois toujours reconnaissant, mon Seigneur, pour les frères et les sœurs, les évêques et les prêtres qui sont venus du Gabon, avec les évêques qui sont ici présents, et aussi de la Guinée équatoriale avec Monseigneur Matongo et les prêtres de Bénin. Gracias pour sa présence. Et de même, Monseigneur, sois reconnaissant pour tous ceux que l'ancienne Église d'Allemagne a fait pour soigner ta préparation intellectuelle, humaine, spirituelle, à la grande responsabilité que tu assumes aujourd'hui dans l'Église. Herzlich willkommen, Excellenz, lieber Bischof Schick, zusammen mit der Delegation aus Fulda. Christus
de butte hier te lege all das gute Fupagen für nicht vergelten, das die deutschen Freunde geleistet haben. Sie haben ihn auf seine große Verantwortung, die er heute in der Kirche übernimmt, vorbereitet. Danke sehr. Et un dernier mot, chers frères et sœurs, s'adresse encore à toi, cher Monseigneur Philippe, à ta famille naturelle, voilà la maman, les frères et sœurs. Et nous devons te remercier de tout notre cœur. Voilà le papa dans le ciel qui nous regarde, qui nous sourit aussi, un beau sourire comme on sait bientôt. Le rite de l'ordination épiscopale. Veuillez vous mettre debout et tous ensemble, invoquons la présence agissante et sanctifiante de l'Esprit Saint parmi nous. S'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Je te demande donc, frère bien-aimé,
Acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons maintenant vous transmettre par l'imposition de nos mains? Oui, je le veux. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous, chers frères, annoncer l'évangile du Christ avec toute fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, qui a été toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité paternelle du successeur de l'apôtre Saint-Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de l'apôtre Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, chers frères, avec un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux et celles qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler tous et toutes dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Et voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu, Père Tout-Puissant, pour le peuple saint, et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Et que lui-même, Dieu Tout-Puissant, achève en vous ce qu'il a commencé. Dans sa bonté et pour les biens de l'Église, il lui donne la grâce de l'ordre épiscopal. Ma sœur. Oh, yeah.
Est-ce que je peux plus? Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur,
Père de tendresse, Dieu de qui vient tout répondre. Toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les humbles. Toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient. Tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Et des origines, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils. Bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établit l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre, de pasteur de ton peuple saint en tes servants jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères, Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance avec le Saint-Esprit et dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. La tête de mon Seigneur Philippe est anointe avec le Saint-Crème consacré le jeudi saint passé par sa sainteté le pape François. Et après, à lui, nous donnons de tout cœur les ornements de sa nouvelle dignité épiscopale. Dieu vous a lui-même associé au Christ, souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rend aujourd'hui et toujours fécond votre ministère par la bénédiction du Saint-Esprit. Thank you.
Recevez l'Évangile et prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et tout souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église qui est notre mère. Recevez, chers frères, la mitre et que brille en vous l'éclat de la sainteté pour que vous puissiez recevoir un jour l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra dans le ciel le chef des pasteurs. Recevez maintenant le bâton de pasteur, le signe de votre charge épiscopale. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous établit aujourd'hui comme évêque pour gouverner la Sainte Église de Dieu. Et maintenant, à travers l'archevêque métropolitain de Yaoundé, notre métropolitain, nous procédons à installer le nouvel évêque sur sa cathèdre. Il fallait
Let's go, 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 let
miséricorde, par son intercession, d'être libéré de toute faute. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tu as préservé la Vierge Marie de toutes les erreurs du premier péché et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu bénis de l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge de Dieu devait nous donner le saumon, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisis entre toutes les femmes, et intervient en faveur de ton peuple, et demeure pour nous, l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, plein de toi, nous chantons. Des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
grand le mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton abondance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et dans la vie de l'Esprit Saint. Alors, le nom de Dieu, le Seigneur, le roi, que l'Esprit Saint passe de nous et l'Éternel au temps de ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, on d'être au monde entier la salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, allant de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère Philippe Alain, qui vient d'être ordonné, avec cette église locale, veille sur l'assemblée des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple de la chef. Écoutez les prières de ta famille assemblée devant toi et ramenez à toi, Père, tes mains, tous tes enfants dispersés. Ô nos frères et sœurs défunts, ô Monseigneur Jean-Baptiste Amar, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voie pure, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour les siècles et les siècles.
Seigneur Jésus, que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais apporte ton église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le vie toujours cette paix. Et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et conspirez nos dons, mon Père et mon Notre Seigneur. Amen.